Effectivement, tout à l'heure, je disais, j'ai parlé des femmes, quand la femme accouche, etc., prendre de l'eau chaude, hein, et aussi masser la femme qui a accouché avec beaucoup d'eau chaude, parce que ça lui fera du bien pour son corps aussi, pour éviter un ventre potent. J'ai oublié de dire que c'est aussi pour le lait maternel, parce qu'avec l'eau chaude, quand la femme prend de l'eau chaude, ça lui donne du lait maternel en abondance, mais du bon lait maternel. Okay. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Et puis, j'ai parlé donc de la toilette intime des femmes, d'une femme qui accouche, avec de l'eau chaude, prendre une serviette plongée dans l'eau chaude, essorée bien sûr, et puis mettre entre les jambes et bien serrer ses jambes. Ça répare le corps intime de la femme. Je disais aussi que l'eau chaude, hein, quand nous nous sentons mal, que ce soit la fièvre, les maux de tête, les maux de dents, etc., c'est très utile. On fait du gargarisme avec de l'eau tiède salée. On fait des bains de bouche avec de l'eau tiède salée. On peut prendre la serviette, plonger dans de l'eau tiède, bien essorée, et mettre autour de la tête pour quand on a des maux de tête, ou alors une serviette plongée dans l'eau tiède, essorée, et autour de soi pour nettoyer, pour faire partir, éliminer la fièvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand nous parlons, par exemple, de boire de l'eau chaude, parce que quand les impuretés s'éliminent comment? Les impuretés s'éliminent par la sueur, par les urines. Et quand on prend de l'eau chaude, ben, on transpire, donc on élimine. Et en plus, on fait beaucoup pipi. Quand vous vous sentez mal, par exemple, le soir, prenez au moins, faites un effort, prenez 2 à 4 tasses d'eau chaude le soir. Vous allez voir, toute la nuit, vous allez faire pipi. Et vous allez éliminer toutes les impuretés qui sont des déchets qui s'accumulent dans notre corps. L'eau chaude a des vertus, a beaucoup de vertus, je veux dire ça. A des vertus, mais bon, on ne peut même pas les nommer, les vertus de l'eau chaude. Ceux qui ont fait médecine connaissent ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? L'effet placebo, c'est, par exemple, on peut prendre 2 personnes. Il y a un à qui on va donner un médicament et il y a l'autre à qui on va donner de l'eau, mais la personne n'est pas au courant. Hein? Ben, souvent, parce que la maladie aussi est psychologique, hein, souvent, celui ou la personne à qui on a donné de l'eau guérit plus vite que celui qui a pris le médicament. La différence entre l'eau et les médicaments, c'est parce que l'eau est nature et le médicament est un produit chimique. Le médicament a toujours des effets secondaires. Lisez ce qui est écrit, hein, dans les documents. Quand vous prenez un médicament, il y a toujours le mode d'emploi. Lisez, il y a toujours des effets secondaires. Alors que l'eau est naturelle, il n'y a aucun effet secondaire. Alors, l'eau. Adanga. Nkale alieli. Nourissa wobo. Wowo la dama. Welo momounuru. Adama monga. Molo abouwe. Nkale alieli. Nourissa wobo. Wowo la dama. Welo momounuru. Adama monga. Molo abouwe. La grand-mère a toujours dit: si tu as mal, prends de l'eau chaude, renverse l'eau chaude sur toi et tu vas voir, l'eau va te guérir, car l'eau est un guérisseur ou une guérisseuse. Voici mon monde. Je continue. J'ai écrit, l'eau est la parade à tout.
Souvent, nous les êtres humains, on va chercher très loin, alors que nous avons quelque chose à côté qui nous sauve. Mais on aime toujours aller chercher je ne sais pas quoi. Oui, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller vers les médicaments, mais vous avez le plus important à côté de vous, c'est l'eau. L'eau. L'eau, Adja. Adjamba. Ngobruke. Aya. Abouke, moi, Adjamba. Abouke. Asa, massage, moi, Adjamba. Ok, moi, Adjamba. La femme boit, quand la femme qui accouche, les jeunes, vous qui accouchez, vous prenez de l'eau chaude. Consommez de l'eau chaude, beaucoup d'eau chaude. Vous aurez du bon lait pour votre bébé. Consommez de l'eau chaude. Vous allez nettoyer des impuretés dans votre corps. Massez votre corps avec l'eau chaude. Vous allez éviter, parce que souvent on nous dit quand on accouche qu'on a un gros ventre. Massez votre ventre avec de l'eau chaude. Au lieu d'aller voir des masseurs de je ne sais où pour faire je ne sais quoi et ça vous coûte cher. Non, c'est simple, juste de l'eau chaude. Prenez là une serviette, vous plongez dans l'eau chaude, même s'il n'y a personne pour vous le faire, vous le faites vous-même. Massez votre ventre avec de l'eau chaude, ça vous évitera d'avoir un gros ventre parce que chacun de nous, dans son esthétique, souhaiterait toujours avoir un ventre plat, pourquoi pas. Hein? Et nous avons toujours notre eau chaude. L'eau chaude, hein, apporte la quintessence aux facultés de l'eau. L'eau chaude apporte la quintessence aux facultés de l'eau à guérir. Oui, l'eau, déjà, l'eau nature, c'est déjà un médicament. L'eau nature. Vous vous sentez mal? Vous prenez l'eau nature, vous versez sur vous, vous allez voir. C'est déjà. Mais l'eau chaude apporte la quintessence aux facultés de l'eau à guérir et à soulager tout type de maux qui peuvent envahir notre corps physique en éliminant les impuretés y afférentes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que les impuretés s'éliminent par la sueur, par les urines. Il n'y a pas mieux que l'eau chaude. Parce que l'eau chaude, quand vous allez prendre, vous allez transpirer. Et non seulement vous allez transpirer, vous allez faire beaucoup, vous allez beaucoup pour uriner. Et ça va nettoyer toutes les impuretés. Comme je l'ai dit, surtout le soir. Qu'est-ce que nos ancêtres, les Bantous, étaient des sachants? Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué? Ah, de la matière. Maintenant, c'est à nous de nous en saisir. Saisissons-nous de cette intelligence, de ces matières, de ces enseignements que nos ancêtres nous ont légués. Moi, ça me fait le plaisir de vous apporter ces enseignements, effectivement, venus de nos ancêtres. Moi, je ne suis que, on va dire quoi, je ne suis que, peut-être pas le porte-parole. Mais je ne suis que la personne qui essaie de remettre à la surface ce qui est. Nos ancêtres nous ont laissé des richesses. Nos ancêtres. Il nous faut aujourd'hui élever ces ancêtres, ces sachants, ces connaisseurs, ces bibliothèques. Les sachants eux-mêmes ont dit. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Eh bien, toutes ces bibliothèques n'ont pas brûlé. Au contraire. Et si c'était le cas, nous les ressuscitons. Et nous les ressuscitons à partir de ce que d'autres font aujourd'hui, de ce que je vous emmène, parce qu'alors, on ressuscite tout ce que les gens pensaient être brûlé. Voici mon mot de ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui avec grand bonheur. J'attends toujours vos apports. J'attends toujours que vous me disiez ce que vous en pensez. Qui sait tout ne sait rien. Le peu que je sais, je vous apporte. C'est l'ensemble, parce qu'un seul doigt ne peut pas laver la face. Vous aussi, vous allez m'apporter d'autres choses. Et c'est la somme de ces richesses qui donnera beaucoup, apportera beaucoup à la génération présente et future. Quand j'ai dit cela, je vous dis, faites-le quand vous allez faire vos commentaires, avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, beaucoup, comment on va dire ça déjà, beaucoup de soif du vivre ensemble. Parce que vous apprenez de moi et moi j'apprends de vous. Vous êtes riche de moi, je suis riche de vous.
Et cette richesse, personne ne peut nous l'enlever. Cela, ça nous appartient. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. C'était Manco, la reine moderne, la reine Opou. Je vous remercie.